Wesh les potos, petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, ce soit Coolo Mike et dans cette vidéo je vais vous présenter un glitch sur Fortnite saison 2 chapitre 3 qui devrait vous rapporter 75 000 XP par minute. Alors on va tester ça. Alors première chose que vous allez devoir faire pour réaliser le glitch, c'est aller en mode créatif. Donc vous choisissez les modes créés par Epic Games et vous sélectionnez le mode créatif. Ensuite vous appuyez sur triangle pour lancer le mode. En attendant que ça se lance, vous pouvez aller dans la boutique Fortnite, noter le code créateur SCM en majuscule ou en minuscule, peu importe, merci à tous ceux qui le mettent, ça soutient à fond la chaîne. Et pendant que ça charge, vous pouvez aussi liker, partager et vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et mettre un petit commentaire pour le soutien. Alors, quand vous êtes dans le mode créatif de Fortnite, ce que vous allez faire, c'est rentrer le code que je vais vous dire dans les pads, parce qu'il va falloir le rentrer 4 fois. Donc, le code, c'est 3, 0, 7, 1, 0, 2, 0, 3, 4, 6, 1, 0. Ensuite, vous mettez point d'interrogation, V égale, et vous choisissez la version 44 pour être sûr que le glitch fonctionne bien chez vous. Parce que sinon, si vous tombez sur une version 45 ou 43, peut-être que ça ne fonctionne pas dans les autres versions, je ne sais pas. Donc, mettez bien la version 44. Alors, ce que vous allez faire maintenant, c'est le noter dans les 4 pads. Donc, vous renotez le code. Vous remettez bien le point d'interrogation V44, hop. Et vous allez le mettre sur les 4 pads. C'est très important parce que vous allez pouvoir le faire 4 fois. Hop, 3. Après, je ne sais pas si vous pouvez le faire plus que 4 fois, mais je vais tester avec vous pour voir si c'est faisable. Mais je pense que vous pouvez le faire qu'une seule fois. Après, je ne sais pas. On va bien voir de toute façon. Alors, V... Non, point d'interrogation, V égale 44. Voilà, parfait. Quand vous avez mis les 4 maps, ce que vous faites, c'est que vous attendez que les 4 maps se chargent. Parce que c'est possible que ça fasse bugger le truc si vous rentrez directement dans une map sans que les autres n'aient pas chargé. Donc attendez bien que les 4 chargent. Donc là, il m'en reste plus que 2. Je sais pas pourquoi celle-là, elle met super du temps. C'est un peu chelou. Et celle-là aussi. Ok, c'est bon, elle a chargé ici. Il manque plus que celle-là. Et ensuite, ce que vous allez faire, c'est rentrer... Ok, c'est bon. Ensuite, ce que vous faites, c'est que vous rentrez dans une map, mais vous retenez bien la map que vous avez faite. Donc moi, je fais la map à droite de gauche, la map qui se situe à droite, mais à gauche, voilà. Donc ensuite, quand vous êtes dans la map, ce que vous pouvez faire aussi, c'est directement mettre mon code créateur sur ce petit bouton-là. Vous appuyez sur carré, vous supprimez, vous mettez SCM en majuscule ou en minuscule, peu importe. Voilà, comme ceci. Et ensuite, vous passez. Voilà, vous pouvez passer. Dès que vous avez mis un code, vous passez. Hop, là, vous sautez. Ah, vous sautez pas comme j'ai fait. Vous sautez sur le truc et puis vous ressautez. Voilà, comme ça. Vous sautez sur la plaque et vous ressautez une deuxième fois. Ensuite, vous allez près du level 2. Et là, vous allez faire une émote. Donc, regardez, je viens de gagner 20 000 XP. 20 000 XP, c'est super cheaté. Ensuite, vous sautez en face. Voilà, vous faites une émote juste ici. Ok, 16 000 XP. Ici, vous refaites une émote juste ici. 14 000 XP. Ensuite, ce que vous faites, c'est que vous appuyez sur option. Vous faites retour à l'accueil. Et là, vous allez le refaire dans la deuxième map. Alors, il faut savoir que ce glitch va être patché très rapidement. Donc, ne tardez pas pour le faire. Parce que ce genre de glitch, ça dure pas longtemps. Hein. Donc là, hop, vous venez ici. Vous attendez que le Death Run se lance, vous mettez le code SCM en attendant, boum, il s'efface toutes les 2 semaines, donc n'hésitez pas à le remettre. Dès que le jeu commence, hop, vous sautez sur la plaque pour ressauter une deuxième fois. Il faut sauter plus vite, j'ai mal sauté. Hop, vous ressautez, voilà. Ensuite, vous allez près du level 2, vous faites une petite émote, hop, 13 000 XP, vous sautez là. Ok, j'ai raté, vous ressautez, ok, j'ai encore raté. Je suis vraiment un noob. Ok, vous venez ici, vous faites une émote. Voilà, 12 000. Vous venez ici, vous faites une émote. 11 000. Ensuite, vous retournez à l'accueil.
vous allez faire les deux autres maps. On va faire celle de droite d'abord. Ok. Donc pareil, hein, vous attendez ici. En attendant, vous mettez le code SCM dans la boutique Fortnite. Voilà, en minuscule ou en majuscule, peu importe. Si vous le faites, vous êtes des BG, les mecs. C'est parti, let's go. Ensuite, vous venez ici. Vous sautez, vous ressautez. Ah, à chaque fois, je me plante en vrai. Après, vous pouvez bend le piège comme ça, mais... non, pas comme ça, mais... vous avez capté, quoi. Faites ça. Tac. Puis ensuite, vous passez. Là, on fait une petite émote. Voilà, 10 000 XP. On saute en face. Ok, on fait une émote ici. Plus. Ok, on fait une émote ici. Plus. Ok, on fait retour à l'accueil. Ensuite, on va dans la quatrième et dernière. Qui est juste ici. Et on refait la même chose. Donc là, après, je vais quitter la partie. Je vais quitter le mode créatif et je vais réessayer. Voir si je peux le refaire plusieurs fois. Parce que normalement, je sais pas si on peut le faire plusieurs fois. On verra bien, mais c'est possible qu'on puisse pas. Donc on va tester ça en live. Hein. Direct, hop. Ouais, ça marche pas comme ça non plus. Bon. Hop, on saute, on ressaute. Ok, donc là on fait une petite émote. Ok, 8000. On saute en face, on refait une émote. 8000. On refait une émote. Et 7000. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner à l'accueil. On va retourner dans la première map. Qui est celle-ci. Et on va voir si ça me redonne des XP. Après, je suis pas sûr, mais on va voir. Parce que si ça redonne des émotes, des XP, vous refaites à chaque fois le tour des 4 maps. Sans retourner au lobby. Mais là, je pense que ça ne marchera pas parce que je pense que c'est une fois. Donc là, on va brand. On va faire une émote. Ok, donc là, ça ne fonctionne pas. Donc ce que vous faites, c'est que vous appuyez sur option. Vous allez dans retour au salon. Ok. Là, on va tester en relançant le mode créatif pour voir si en relançant le mode créatif, on peut redébloquer les XP. Donc on relance. On va remettre la map. On va en remettre qu'une. Hein. On va pas remettre les 4. On va juste réessayer une fois. Parce que ça se tombe, vous pouvez le faire une fois, 4 fois. Une fois dans chaque map, mais 4 fois. Parce qu'il y a 4 pads. Après, si maintenant le lobby viendra à changer, peut-être que vous pouvez le refaire sur un nouveau lobby. Donc, un nouveau menu mode créatif, là, quand il change la map. Je ne sais pas du tout. Donc là, on renote le code. Donc 3, hop, égale V44. On attend que ça charge. En attendant que ça charge, vous pouvez liker, partager et vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire dans l'espace. Des commentaires pour le soutien. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Franchement, vous êtes des boss. Vous êtes les boss. Donc là, vous attendez que ça charge. Et on va voir si le glitch refonctionne en retournant dans le lobby principal et en relançant le mode créatif. Parce que si ça fonctionne, vous faites ça en illimité. Hein. Vous mettez les 4 maps, puis après, vous refaites ça en illimité. Donc là, il faut attendre 10 secondes. Vous mettez le petit code créateur comme d'hab. SCM. Boom. Voilà. Vous avancez. On prend le piège. On va ici. On fait une émote. Et boum, ça fonctionne. Donc en fait, vous pouvez le faire blindé de fois. Donc ce que vous faites, c'est que vous relancez le mode créatif, comme j'ai fait. Et ensuite, vous refaites les XP en illimité. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soit Cool le mec et ciao. Peace. Yummy, bruh.